Bonjour mesdames. Bonjour, bonjour Chloé, bonjour Christophe. Bonjour Donc, Marion. Bonjour tout le monde. mesdames, On est là pour parler de ce, vous savez quoi quand même? On vient de passer 3 jours qui étaient quand même assez intéressants, non, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de ça quand intense, même? dirais-je. Oui, D'accord? intéressant, c'était intense, intense et Voilà. bouleversant. Oui. Et bouleversant, exactement. Est-ce que vous considérez que vous avez fait aussi des belles rencontres aussi? Oui? Ah bah Oui, évidemment, certainement. oui. D'accord, certainement. Alors voilà, donc comme dans ces 3 jours, vous m'aviez dit que vous étiez d'accord pour qu'on lance la nouvelle émission L'enfant, un business pas comme les autres, je voudrais qu'on rappelle de quoi on a parlé, les sujets qu'on a eus pendant les 3 jours, parce que c'était quand même le but de parler du monde de l'enfance. Alors, laquelle des deux commence? Marion ou Chloé? Marion. Marion? Oh, je sais pas. Écoutez, moi j'étais venue pour parler. Alors, ce qui m'avait intéressé, outre le fait que je trouve Christophe le Caribouman très sympathique et que j'adore Chloé depuis un petit moment déjà, j'avais trouvé particulièrement intéressant de pouvoir rencontrer celles qu'on appelle les mamans louves. C'est-à-dire, la louve, c'est la mère protectrice. Enfin, toutes les mères sont protectrices, mais la louve a une image spéciale puisqu'elle est également fondatrice d'un empire. Hein. La louve de Rome, elle est protectrice de ses jumeaux et elle est la mère d'un empire. Donc le choix de l'image m'avait semblé judicieux. Ça faisait un moment que je voulais rencontrer ces mamans louves. J'en avais déjà rencontré à différentes reprises, mais là, être invitée, d'abord j'ai pris ça comme un honneur. Hein. Je suis très très honorée parce que je n'ai moi-même pas d'enfant, ce que je déplore. Hein. Ça n'a pas été un choix, ça a été plus compliqué que ça. Et je suis particulièrement honorée, surtout qu'on me fait ouvrir la rencontre. Donc moi, mon point de vue, il est rigoureusement historique. Alors, pour rappel, pourquoi j'ai une approche historique, c'est parce que quand j'ai découvert ce que j'ai découvert autour de chez moi, je me suis dit, si je dis ce que je sais, je vais me faire flinguer, comme je tiens un tout petit peu à la vie quand même. Je me suis dit, je peux pas les prendre de front parce que j'ai pas les moyens, je vais les prendre à revers, ce qui s'est avéré judicieux puisque en prenant à revers, j'ai remonté la piste historique de toutes ces horreurs, et c'est ça qui m'a fait vous rencontrer. Donc mon choix a été judicieux, et c'est comme ça que je vous ai connu. Donc mon point de vue à moi, il est historique, mais c'est pour dire une chose et qui rejoint absolument tout ce qui s'est dit dans ces rencontres. Enfin, j'ai vraiment senti les hochements de tête approbatifs de toutes les personnes concernées. C'est ça n'a pas changé depuis. Et ce que je veux dire, c'est que les gens placés en position de dominer le peuple par une situation de notabilité et de pouvoir judiciaire, ça fait des siècles qu'ils oppriment les familles et qu'ils exploitent leurs enfants. C'est vraiment pas une nouveauté. Je suis remontée à partir des archives jusqu'à environ 1632, c'est-à-dire qu'il y a, il y a nous avons 1700, 1800, ça fait plus de 3 siècles, 3 siècles et demi, plus de 3 siècles. Oui, c'est 3 siècles ou 4? 6, 7, Reste 8, 9, 10, quatre. non, 4 siècles, ça fait 4 siècles, Reste 4 siècles, mais il est bien évident que ce qui s'est passé en 1632 n'était que la continuation de ce qu'il y avait avant. Avant, ça concerne plus les spécialistes du Moyen-Âge, donc je ne m'y suis pas penché, mais il y a une constante historique. Et c'est ce que j'ai voulu montrer, et j'ai été particulièrement touchée de voir les hochements de tête approbateurs de tous les gens concernés qui ont compris que quand on recherche dans l'histoire la réalité d'hier, elle rencontre et elle se cogne à la réalité d'aujourd'hui. Donc finalement, mon choix n'était pas idiot, et je suis contente si je peux être utile dans ce combat, quoi. Enfin, ce qui est très drôle, Marion, c'est que tu as introduit le sujet et ce que les gens ont adoré, c'est la continuité. C'est-à-dire que l'enchaînement des invités par rapport à le monde de l'enfance, comme on l'a été touché, puisque tout de suite après, on a eu une dame que vous connaissez, hein, Vanessa, d'accord, qui est quand même une ancienne cadre de l'ASE, qui a Que je connais démontré. maintenant, hein, je ne connaissais pas, qui est magnifique, c'est une Voilà. personne Ça a été magnifique. une belle rencontre. Donc, elle devait être Ouais. avec nous aujourd'hui, mais elle pouvait pas. Donc, elle avait des obligations. Mais c'est pas grave. Elle fera une deuxième émission. C'est pas grave. Par contre, c'était l'enchaînement qui était bien. Entre toi, qui faisais l'histoire du monde de l'enlèvement des enfants, la construction, le machiavélisme, on va dire, entre guillemets, parce que c'était quand même un peu ça, hein. Donc, et Vanessa, qui, elle, dans son service en tant que cadre de l'ASE, a été foutue dehors, elle a été licenciée parce qu'elle dénonçait justement ce genre de mécanisme. J'ai trouvé ça fabuleux. Et tout de suite après, qu'est-ce qu'on a? On a notre chère amie Chloé qui arrive, qui, elle,
nous parle d'un dossier important sur la sexualité démontrée dans l'OMS, n'est-ce pas, Chloé? Oui, Christophe, exactement. C'est assez étrange d'ailleurs parce que ce sujet m'est venu le lundi. Donc, je devais faire la conférence le vendredi, Marion, avec Marion aussi. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir développer cette fois qui est nouveau et qui concerne l'enfance et les enfants? Et ça faisait un moment que je voulais creuser ce sujet de l'éducation sexuelle avec les standards de l'OMS pour l'éducation sexuelle en Europe. Et je me suis dit, bingo, c'est ça que je vais faire. Donc, en 4 jours, j'ai déterré tout ce que je trouvais qui était intéressant dans ces standards avec l'environnement Kinsey, l'Institut Kinsey, ses liens avec l'ONU, ses liens avec le mouvement LGBT aux États-Unis. Et j'en ai fait une présentation de 62 slides. Et ça m'est, c'est comme si il y avait eu un message qui a fait que justement, ça a complété ce que tu as fait, Marion, ce qu'a fait Vanessa, et également ce qu'a fait Hélène Lombard. Et on était 4 comme ça à faire une sorte de panel assez large, assez complémentaire et complet de l'évolution de la sexualisation de l'enfant, du développement de la pédocriminalité, de l'incitation à la pédocriminalité et de l'avènement du consentement en fait chez les enfants de plus en plus jeunes. Parce qu'en fait, tous ces textes, et là je parle en particulier des standards de l'OMS, disent en creux que si tu ne dis rien, c'est que tu consens. Et cela à partir de la naissance. Donc c'est très intéressant, même si c'est extrêmement sordide. Mais par exemple, dans les standards, il est écrit que la matrice, qu'ils appellent la matrice, hein, les mots ne sont pas choisis par hasard, je pense, en tout cas ont un écho avec ce que nous, on appelle la matrice. Donc il est écrit dans la deuxième partie des standards de l'OMS qui fait 70 pages, 70 pages, que ces standards, que la matrice, pardon, doit aider les jeunes et les enfants à prendre leurs décisions de façon autodéterminée et informée. Ça veut dire que une fois qu'on les a informés sur le fait de se masturber quand on est bébé, je sais, c'est sordide, hein, et qu'on peut dire non, ça veut dire qu'on peut aussi dire oui, qu'on doit savoir où en est notre désir et notre plaisir à partir de la naissance. À partir du moment où les enfants sont censés être informés, eh bien, ils sont censés être en pleine possession de leurs moyens, et donc que si on leur demandent quelque chose et qu'ils ne disent pas non, eh bien c'est qu'ils consentent en pleine connaissance de cause. Et c'est écrit également sur le site de la Confédération Suisse que les standards de l'OMS doivent permettre aux enfants de prendre des décisions de façon libre et en connaissance de cause. Ce sont les mots exacts du site de la Confédération Suisse. Et j'ajoute aussi une chose, c'est que ces standards de l'OMS qui ont été faits en 2010 pour l'Europe sont aussi sponsorisés, on peut dire en tout cas soutenus, par Santé Sexuelle Suisse, qui est le seul organisme de la Fédération de la Planification Parentale, l'IPPF, en Suisse, qui est agréé IPPF. Donc, est-ce que je peux spécifier que le livre que j'ai sorti en 2017, qui s'appelle Les droits sexuels, c'est voilà. Tout ça, en fait. Bravo. Hein, d'ailleurs, c'est tout ça. Les droits sexuels ou la destruction programmée de l'enfance et de la famille, qui montre que l'OMS n'est qu'une des agences de l'ONU impliquée là-dedans. Vous avez l'UNESCO, exactement. L'UNESCO au titre que c'est une agence qui s'occupe d'éducation. L'UNESCO est partie prenante dans l'éducation, ce qu'ils appellent aujourd'hui à la sexualité, ce qui est une monstruosité. On n'a pas à éduquer à la sexualité. Bien sûr, une monstruosité. Mais toutes les agences de l'ONU, le Conseil économique et social, l'ECOSOC, a reconnu l'Institut Kinsey comme une de ses références, comme un de ses référents, alors que l'Institut Kinsey n'a jamais, jamais, jamais fait l'objet d'aucune enquête libre, internationale libre. Et Judith Reisman, décédée aujourd'hui, a reçu des menaces et a été obligée d'arrêter les... Elle a même été inculpée, je veux dire, elle a été entendue à la chambre et tout. Ça a été une grave affaire. Elle a été traitée, bien évidemment, d'homophobe et de tous les noms d'oiseaux possibles, parce qu'elle réclamait une commission d'enquête pour lequel le président Reagan lui avait donné son appui et qu'il a été obligé de lui retirer. C'est-à-dire que face au lobby de la sexualisation des enfants, un président américain ne fait pas le poids. D'accord. Alors, moi, je ne sais pas, Marion et Chloé, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais depuis qu'on a fait nos 3 jours,
il y a des mouvements qui se sont mis en place. Est-ce que vous êtes au courant, par exemple, que le mouvement des mamans louves a écrit et a demandé à chaque collectif des mamans louves de faire une pétition, d'accord, pour lutter contre l'enseignement de la sexualité à l'école en France? Il y a une pétition qui est sortie, vous êtes au courant de ça ou pas? Oui, j'ai vu passer ça, j'ai vu passer ça. J'ai surtout vu passer qu'une bronca est partie de Suisse il y a 48 heures, et Chloé va certainement nous le sortir parce que moi, je n'ai pas le document, mais qu'une infirmière d'école en Suisse a été prise la main dans... C'est pas en Suisse, c'est en France. C'est en 42 dans la loi. C'est la Suisse qui le dénonce. C'est en France. Une infirmière a été prise la main dans le sac, a expliqué à des enfants en CM1 comment les petites filles peuvent faire une fellation aux petits garçons en les tenant par les trucs quand même. Enfin, je veux dire, c'est une monstruosité. Il y a encore pas longtemps, on pouvait vous mettre en prison à vie pour des trucs comme ça, et maintenant c'est payé par l'éducation nationale. Alors, je sais qu'effectivement, les mamans louves et d'autres associations, je n'ai pas spécialement relevé lesquelles, mais sont en train d'interpeller les pouvoirs publics, parce que l'actuel ministre de l'éducation nationale a bien dit que l'éducation à la sexualité, c'était une priorité. Donc, si c'est une priorité, nous y voilà. Or, l'attentat à la pudeur, il n'y a pas si longtemps, c'était gravement, gravement puni. Maintenant, c'est promu. D'accord. Alors, effectivement, c'est toi, Marion, qui m'a envoyé l'article des observateurs. En fait, c'est un article qui émane de Suisse, mais qui reprend notamment l'article du Média en 442 qui a été écrit il y a quelques jours. Et ensuite, en remontant la piste, en allant sur Twitter et en voyant la publication des Mamans Louves qui s'allie à SOS, je crois que c'est SOS Éducation. SOS Éducation. Ont écrit une lettre que je vais vous montrer. Donc le 3 avril à Pap Ndiaye, le ministre de l'éducation nationale en France. C'est celle-là. Je vais vous montrer un petit peu plus en détail. Oula, là c'est peut-être trop gros. Grave dérive lors d'une intervention d'éducation à la sexualité en CM2 donc en France. Il y a eu plusieurs témoignages. C'est parti d'un parent d'élève, mais ensuite d'autres parents ont témoigné, des élèves ont témoigné que notamment les mots. Attendez, je vais vous les trouver. Voilà, ces mots-là ont été prononcés en classe pour des enfants qui ont donc 10 ans à peu près. Donc pour le plaisir, je suis désolée, hein, les mots sont crus. Pour le plaisir, une fille suce le pénis du garçon, le garçon suce le vagin de la fille, etc. Peut avaler quelque chose. Pour le plaisir, la fille peut caresser délicatement les testicules du garçon. On peut faire le sexe dans les fesses. Dites aux parents de vous vacciner contre le papillon. Alors papillomavirus, j'imagine. On peut changer de sexe. Sans prendre de médicaments pour bloquer, et prendre des médicaments pour bloquer la barbe et les poils, mais je crois qu'ils avaient dit aux enfants que c'était pas obligatoire. Mais bon, ça sous-entend que changer de sexe est un acte totalement ordinaire et banal. Et justement, les questions qui ont été posées à Pap Ndiaye, que j'ai trouvées assez pertinentes, attendez, il faut juste que je les retrouve en quelques points. Est-ce que c'était plus haut? Alors, ça a été signé par Christelle des Mamans Louves et... Oui. Tout un collectif, en fait. Hein. Et puis Sophie de SOS Éducation. Pardon pour le mal de mer. C'est pas grave. Voilà, c'est ça. Donc, ce qui m'intéressait, ce que je trouvais très, très juste de faire ici, c'était la phrase qui est adressée à Pap Ndiaye, c'est « Monsieur Pap Ndiaye, pouvez-vous nous expliquer, comme si nous avions 10 ans, c'est-à-dire dans les conditions dans lesquelles ont été expliqués ses propos à ses enfants. En quoi donc, monsieur le ministre de l'Éducation nationale, ces propos restitués par des enfants de 10 ans constituent-ils un enseignement que se doit de transmettre l'école de la République? Pensez-vous contribuer ainsi à lutter contre les discriminations sexistes ou contre les sévices sexuels? Évidemment, la réponse est... À leur avis, donc, voyez-vous, il nous semble que c'est tout le contraire. Et il me semble également... Alors, moi, je peux dire que Judith savait, statistique en main, qu'il ne lui semblait pas, elle était sûre. Elle a fait des études statistiques, enfin, elle a collecté des études statistiques sur la montée de la violence, sexuelle. Plus on parle de sexe aux enfants, et plus ils font d'agressions sexuelles. C'est bien sûr, mathématique. Mais je veux dire, ça ne fait pas que paraître. Hein. Je l'ai publié je crois que c'est dans le grand texte qui s'appelle la CIA, le sexe, le,
Comment s'appelle ce texte, le dernier texte de Judith Reisman que j'ai contribué, enfin que j'ai fait traduire et que j'ai mis en ligne, qui s'appelle La Troïka Kinser Okfeller Seiya. Voilà. Et voilà, c'est un long texte qui fait une centaine de pages, qui est le dernier travail de Judith Reisman. Elle me l'a envoyé pour me demander si je pouvais le faire traduire et le diffuser, ce que j'ai fait. Et je crois que c'est là-dedans qu'elle en parle. Si c'est pas là-dedans, c'est dans un autre de ses textes. Enfin, il suffit d'aller sur le site de Judith Reisman, si tant est qu'on parle anglais, ce qui est mon cas. Mais on trouve toutes ces références. Plus on parle de sexe aux enfants, plus ils s'agressent les uns les autres. C'est indéniable, c'est indubitable. C'est pas qu'il nous semble, c'est que c'est comme ça, c'est une donnée statistique. Alors, ça, c'est pas la peine d'en discuter. Voilà. Ben bien sûr, mais je pense qu'en plus de ça, le fait de mettre la sexualité dans les petites écoles, dans les petites classes, c'est aussi pour pouvoir cautionner la pédophilie demain. Mais c'est évident. Ça me paraît évident. Bien sûr. Mais alors il faut rappeler, parce que ça, Chloé l'a dit l'autre jour, et on ne le redira jamais assez, l'axiome de base sur lequel se fonde cette horreur, c'est une déclaration controuvée, mensongère et absolument criminelle de Kinsey, qui dit que les enfants sont sexuels dès leur naissance. Tout le monde se sert de cet axiome de base qui est un mensonge. Kinsey a raconté que les enfants sont sexuels dès la naissance parce qu'il a fait, avec l'aide d'un pédophile notamment et de plusieurs autres, mais enfin il a fait avec l'aide de plusieurs pervers, des expériences de manipulation, disent-ils, orales et manuelles, fermez les guillemets, sur des centaines et des centaines d'enfants, et ils ont validé leurs évanouissements, leurs hurlements, leurs pleurs, leurs hoquettements, leurs allaitements et leurs crises. Quelques-uns faisaient des crises d'épilepsie comme autant d'orgasmes. Donc, si on ne veut pas voir sur quelle escroquerie se fonde cette assertion, c'est qu'on est criminel soi-même. Aujourd'hui, tout le monde peut le savoir. Alors, je sais que les livres de Judith Reisman n'ont pas une grande presse parce que personne n'ayant voulu les publier en France, je me suis chargée de prendre ça en charge et j'ai présenté l'un de ses livres à Alain Soral pour sa collection Contre-Culture. Et c'est Contre-Culture qui l'a sorti. Alors, il y a des gens du moment qu'un livre est publié chez Contre-Culture, ça ne mérite pas qu'on l'ouvre. Ben, je suis désolée, mais en attendant, le livre, il a bel et bien été traduit, il circule, il est disponible, et on trouve toutes ces choses très intéressantes dedans. Un deuxième livre a été publié en français, aux éditions de Saint-Rémy, un deuxième livre de Judith Reisman, avec ses deux ouvrages tout à fait disponibles en français. On peut parfaitement se tenir au courant de ce qui se passe, de ce qui s'est passé, de ce qu'il faut comprendre et de ce qu'il faut savoir. Alors, quand on veut savoir la vérité, on ne fait pas la fine bouche parce qu'il y a un nom qui ne plaît pas sur la couverture, d'accord? Voilà, ça c'est... cela soit dit. Donc, deux livres de Judith Reisman, plus son dernier travail qui fait une centaine de pages que j'ai contribué, dont j'ai pris en charge la traduction auprès d'un pool de bénévoles, sont absolument disponibles au lectorat français et c'est pas la peine de faire la fine bouche en disant qu'on aimerait mieux que ce soit un universitaire qui ait fait le boulot. Peu importe, c'est Judith qui a fait le boulot et ce sont des travailleurs de la traduction qui s'y sont collés. Je précise au passage que mis à part le travail de traduction des éditions de Saint-Rémy sur le livre qui s'appelle La subversion sexuelle, qui a été traduit par un professionnel, les autres ouvrages, celui de qui est publié chez Contre-Culture et le travail que j'ai fourni et mis en ligne sur la Troïka Rockefeller CIA, ce travail de traduction a été entièrement bénévole. C'est un traducteur professionnel qui a bénévolement traduit les 4, 5, 600 pages du livre de Judith Reisman. Je sais pas, c'est un bouquin absolument énorme. C'est un travail phénoménal qui nous a été gracieusement donné. C'est-à-dire, vous avez des gens qui montent au créneau, qui mettent leur trip et qui mettent toute leur âme pour faire avancer cette cause. Donc, Judith Reisman, elle est la référence jusqu'à présent. Ça déplaît certainement à un certain nombre de gens parce que homophobe, machin, tout le tralala. Elle en a pris plein la figure. Elle a eu, je me suis amusée à regarder sur ce que disaient d'elle différents sites de promotion des LGBT aux États-Unis et même en France. C'est absolument monstrueux. Ils la font passer pour un monstre. Elle n'a jamais baissé les yeux. Elle n'a jamais fléchi. Et elle est restée droite comme un nid avec sa conviction, avec son amour de la vie et son respect des gens. Voilà pour Judith. Et donc, justement, ça a été raconté en long, en large et en travers par Judith Reisman. Il n'y a pas de sexualisation des enfants innocentes.
toute sexualisation de masse mène au crime de masse. Point. Voilà, c'est ça. Et justement, Marion, il y a pas, disons que les standards de l'OMS indiquent également que pourquoi enseigner l'éducation sexuelle en dessous de 4 ans ? Parce que, précisément, les enfants sont sexués. On va montrer, Christophe. C'est sexual from birth, comme ils disent en anglais. C'est vraiment à la source. Donc là, vous avez, c'est la page 37 des standards, qui en fait 70, je vous rappelle. Donc, pardon, le titre c'est « Pourquoi commencer l'éducation sexuelle avant l'âge de 4 ans ?» L'enfant est un être sexué dès la naissance. Et voilà, ensuite, source qui ne sait, il n'y en a pas d'autre. Absolument. Et on nous dit que l'éducation commence dès la naissance, donc il y a un amalgame entre l'éducation, la santé, l'éducation sexuelle, et l'éducation sexuelle faisant partie intégrante de l'éducation générale, donc elle a sa place en tant que partie très importante de l'éducation générale selon les dires de ces standards de l'OMS, et que de toute façon, elle est de toute façon dispensée aux enfants, donc autant qu'on s'en occupe à l'école. Voilà les arguments déployés par l'OMS. Et puis, effectivement, Judith Reisman, j'en ai aussi parlé dans ma présentation, Pour avoir attaqué Kinsey, en a pris effectivement plein les dents. Il y a eu un article d'ailleurs qui l'accusait d'avoir reçu des fonds 800 000 dollars de la part d'une juridiction. Elle a reçu des fonds pour faire une recherche qu'elle était obligée d'abandonner, bien évidemment. Et alors, bah oui. Hein, ben oui, mais c'est comme, comme tu le disais, rien n'a changé. Les anathèmes restent les mêmes, les méthodes sont les mêmes pour discréditer et attaquer ceux qui dénoncent. Donc là, vous avez, là, je vous présente une partie de mon PowerPoint de vendredi, où on voit donc l'un des rapports, l'une des pages de l'un des deux rapports de Kinsey, qui en a écrit donc deux, en tout cas, en 1948-1953, l'un sur les hommes, l'autre sur les femmes. Celui-ci est issu du rapport sur les hommes de 48, où les enfants qui sont appelés par Kinsey des préadolescents, à partir de 2 mois, ce sont des préadolescents à qui Kinsey, donc de qui Kinsey répertorie le nombre d'orgasmes, c'est écrit comme cela, à la minute en gros, et on voit qu'on a des enfants, donc de 2 mois à 12 mois ici, et que ça va jusqu'à 15 ans, et qu'on a 65% des enfants qui auraient eu un orgasme, donc 206 enfants sur 317, il y a eu 28 enfants entre 2 mois et 12 mois qui ont été testés, et cela, paraît-il, c'est pour la science, c'est pour apporter des connaissances aux enfants, pour leur éviter de subir des abus, par exemple. Franchement, c'est odieux. Quand tu dis ça, pour moi, c'est odieux. Faire ces expériences prévient des abus. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que l'université reprend cette assertion de Kinsey. Les gouvernements, toutes les agences qui s'occupent de santé, d'éducation, que ce soit en France, que ce soit en Europe, que ce soit à l'ONU, tout le monde reprend Kinsey. C'est universel. Personne, pour l'instant, n'a encore réussi à faire machine arrière à cette gigantesque machine à broyer l'humanité. Tout part de Kinsey et Kinsey était un imposteur. Il n'y a pas un texte, j'ai étudié ça dans mon livre sur les droits sexuels, il n'y a pas un ministère qui ne reprenne les assertions de Kinsey. Que ce soit l'éducation, la santé, la justice, tout se réfère à Kinsey. Tout se réfère à Kinsey. Kinsey était un malade, c'était un psychopathe, un pervers absolument abominable. On peut dire que c'était un pédophile quand même. Pardon ? Non, pédocriminel. On peut dire que c'était un pédophile, hein ? Pas Phil. Phil, ça veut dire aimer. Attention. Oui, enfin bon, il faut faire attention à ça, parce que à partir du moment où le mot sert est reconnaissable par le commun des mortels pour dire celui qui est sexuellement attiré, c'est-à-dire charnellement attiré par les enfants, c'est pas la peine de changer de nom en cours de route. Pédocriminel, je ne crois pas que Kinsey lui-même consommait des enfants. De ce que je sais de lui, ce qu'il aimait consommer, c'était des hommes faits. Donc, il a promu la pédocriminalité, ça c'est clair, il l'a promu, il l'a défendu, au titre qu'il a promu absolument toutes les perversions. Lui-même, dans sa pratique, je ne suis pas sûre qu'il ait été
qu'il ait lui-même abusé d'enfants directement. Ça ne me semble pas pertinent, mais il s'est entouré de gens qui le faisaient, donc il les a soutenus. C'est pas pour donner une excuse, vous voyez ce que je veux dire. C'est pour être simplement précise dans les accusations. Donc, il a considéré que tout ce qui était sexuel était bon, tout ce qui fait... Son principe de base, c'est quoi? Du moment que c'est bon, c'est bien. Du moment que ça me plaît, c'est bien. Voilà. C'est-à-dire, c'est le contraire de la civilisation, c'est le contraire d'une société humaine. Une société humaine, qu'est-ce que c'est que des humains qui vivent ensemble? Ce sont des humains qui vont apprendre la limite les uns par rapport aux autres. La sexualité débridée, c'est il n'y a pas de limite, je fais ce que je veux. J'ai le droit puisque j'ai envie, mais c'est ça que ça veut dire. Alors après, ils vous mettent des pseudo-limites en disant sous réserve que l'autre soit d'accord. Seulement l'autre, si on dit que s'il n'a rien dit, c'est qu'il était d'accord, ça ne marche pas comme ça. Le principe d'une éducation, qu'est-ce que c'est qu'une éducation? Moi, je n'y connais rien en éducation, je n'ai pas de formation spéciale là-dessus, mais j'ai quand même souvenir de ce que j'ai reçu, de ce que j'ai entendu. C'est de vous apprendre les limites et de vous apprendre à vous maîtriser. C'est se maîtriser. C'est j'ai envie de faire pipi ou de faire caca sur le tapis du salon, c'est non. C'est pas parce que j'ai envie que je vais le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc une éducation, c'est apprendre à se maîtriser. Tous ces principes de pseudo-éducation sexuelle, dite éducation à la sexualité, c'est pour pousser les gens à se satisfaire par tous les moyens dont ils disposent. Mais ça nous prépare une société de barbarie. Ben, on y est d'ailleurs. Et au dépend des enfants d'abord, et puis juste derrière des femmes et puis des hommes. Oui, bien sûr. Les enfants n'ont pas les moyens de se défendre de la même façon qu'un adulte. Et il est bien précisé, notamment dans les droits sexuels que tu décris dans ton livre, qu'il y a une histoire de capacité évolutive de l'enfant. Il n'y a pas d'âge au-delà duquel on doit respecter, ne pas toucher aux enfants. Et le mot non-discrimination apparaît dans les droits sexuels, justement. C'est très important, selon eux, de ne pas faire de discrimination, notamment sur l'âge. C'est-à-dire que tous les âges sont considérés de la même façon et que faire l'amour avec un enfant n'est pas un problème selon leurs préceptes, autant dans l'éducation, les droits sexuels que chez Kinsey. Et d'ailleurs, je voulais vous montrer encore une chose. On parlait tout à l'heure de l'ONU et de ECOSOC. Tu parlais, Marion, du statut ECOSOC. Donc ça, c'est ce qu'on peut trouver sur la page des Nations Unies. Donc ça, j'ai fait une capture d'écran. Donc, l'Institut Kinsey est bien consultatif spécial auprès du Conseil économique et social de l'ONU, qu'on abrège sous ECOSOC. C'est l'un des 6 organes de l'ONU les plus importants. Et puis, j'avais rappelé aussi que le Forum économique mondial, le WEF, est également ECOSOC depuis 1995. Voilà. Donc c'est... Et alors, 2014, alors, la France a voté pour que l'Institut Kinsey reçoive cette accréditation. Et je revenais de Croatie où je venais de faire connaissance avec Judith Reisman. C'est-à-dire qu'on s'est échangé immédiatement. T'as vu ce qui se passe? J'ai vu ce qui se passe. Voilà, ça y est, on a, alors, Judith Reisman a été invitée en Croatie par des catholiques croates. Alors, c'est plaisant, hein, parce que Judith Reisman, elle avait un nom juif absolument incontestable. Hein. Elle était née avec un patronyme juif. Elle s'est mariée avec un juif, donc elle avait un nom tout à fait juif. Elle a été invitée, reçue et mise à l'honneur par l'archevêché de Zagreb, hein, qui lui a fait une réception absolument magnifique pour la remercier d'avoir dénoncé cette hydre absolument abominable qui, sous prétexte d'éducation, sexualise les enfants et fragilise toute la société. Enfin, c'est même pas fragilise, c'est détruit toute la société. Donc, c'est cette accréditation de l'Institut Kinsey vers l'ECOSOC, c'est passé avec l'assentiment de la France au moment où la Croatie était en train de se réveiller et de dire « pas chez nous, quoi, pas chez nous ». Et ils ont réussi à résister, je ne sais pas combien de temps encore, mais j'ai rencontré des gens étonnants en Croatie, vraiment étonnants. Et quand les parents s'y mettent, ça peut faire beaucoup de mal. Hein. Je pense que les parents n'ont pas encore les liens bien établis entre les uns et les autres, mais quand ça va, je pense que c'est en train de se faire, et quand ce sera fait, ça sera la marche rouge. Hein. Oui, tout à fait. Alors, la marche rouge, c'est la révolte. La marche rouge, c'est la révolte en 1750 de parents qui, pendant des semaines, ont enlevé leurs enfants sur le chemin de l'école ou à telle ou telle occasion. On disait, il a été pris en train de casser des vitres, ou etc. Il faisait ceci, cela. Puis, au bout d'un moment, il a dit, c'est pas vrai. Il y a des ordres d'enlever des enfants. Et il y a eu une révolte extrêmement violente que j'ai appelée la marche rouge, et les parents se sont déchaînés. Et quand je dis les parents, c'est les pères et mères et les frères et sœurs, hein. Ça a été extraordinaire, ça a été un soulèvement, et le pouvoir a vacillé.
du pouvoir abbassi. J'ai l'impression qu'il va y avoir une nouvelle, Marion. J'ai l'impression qu'il va y avoir une nouvelle. J'ai l'impression qu'il va bientôt y avoir une nouvelle marche rouge, Marion. C'est ce que je pressens. C'est ce que je dis depuis le début, depuis que je suis arrivée en dissidence. Je dis, il y a deux choses auxquelles il ne faut pas toucher, c'est le pain et les enfants. En ce moment, ils touchent aux deux. Ouais, bien sûr. Alors, tu vois, le pain, ça vient la nourriture qui vient de plus en plus. Avant que je publie un document de Chloé, là, parce que je voulais vous dire un truc. Il s'est passé, une dame qui était venue me voir aux 3 jours de Bligny, mais elle a pu rester pendant 1 heure. C'est tout, d'accord? Hier, j'ai fait une émission avec elle. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la voir. Elle s'appelle Jacqueline Maltaise. Tu sais ce que faisait son père? C'était un proxénète d'enfants. Elle a fait une émission hier avec moi pour raconter le livre qu'elle écrit. Elle a écrit un livre où elle raconte que son propre père était proxénète d'enfants et qu'il faisait partie du grand banditisme. Tu te rends compte de ça, toi? Et elle est venue à Bligny pour me donner un livre. Et on a fait une émission hier. Parce que, je dis ça parce qu'il y a un lien avec tout ça, en fait. Bien entendu que le proxénétisme des enfants, derrière des mamans qui sont victimes des services sociaux, elles m'ont appelé suite à l'émission que j'ai publiée, celles qui n'ont jamais pu connaître l'identité d'où elles venaient. Elles découvrent quoi? Elles découvrent qu'elles sont souvent les enfants de la prostitution, qui ont été abandonnées. Je ne sais pas si vous voyez les liens, donc c'est... Et tu t'aperçois au fur et à mesure qu'on fait des émissions comme on a fait à Bligny, j'ai de plus en plus de mamans, de papas qui m'appellent pour faire des émissions pour dénoncer tout ça. Et surtout, ce qui est incroyable, c'est que tu arrives à faire le lien avec tout, avec la sexualité, avec la prostitution, avec l'enlèvement abusif, avec l'argent. Tout est lié, absolument. Avec ça aussi. Montre le cadran là. Celui-là. Avec le mouvement LGBTQ, Alfred Kinsey, toujours le même, a été cité dans les 50 membres d'honneur du mur national LGBTQ, du mur d'honneur qui est donc le plus ancien groupe national de défense des LGBT des États-Unis. Voilà. Mais le mouvement LGBT est né directement à l'issue de la publication du rapport Kinsey. La première manifestation publique des homosexuels organisée en tant que telle, c'est immédiatement revendiqué de Kinsey. Ça a été immédiat, et ils n'ont jamais lâché. Donc il faut le savoir. Alors moi, ce que je conteste, Marion, c'est que par exemple, ce mouvement qui existe aussi en France, le mouvement LGBT, qui représente quand même un pourcentage minimum de Français, hein, on a beau le dire, comment ce petit mouvement qui fait, je ne sais pas, mais peut-être 3 ou 4%, et encore, je ne suis même pas sûr que ça fasse ça. Comment il fait pour imposer autant de mesures pour tous les Français? Mais parce que ça vient du dessus, c'est comme le reste. Ça vient du dessus, c'est manipulé au-dessus, c'est le nouvel ordre mondial. Ceux qu'on voit des LGBT, ce sont ceux qui ils sont eux-mêmes manipulés, ils ne sont pas dans la marionnette, ils sont à l'extérieur. Tu vois ce que je veux dire? Tous les mouvements LGBT sont manipulés de loin par ceux qui ont décidé de détruire l'enfance, la famille, l'humanité. Et d'ailleurs, c'est clair. D'ailleurs, moi, pour autant que je connaisse des homosexuels, et tout le monde en connaît, parce que celui qui ne connaît pas l'homosexuel, il n'a pas assez d'amis. Celui qui n'a pas d'amis homosexuels, il n'a pas assez d'amis. Moi, ceux que je connais ou que j'ai connus, ils s'en foutent du mouvement LGBT, ça ne les concerne pas. C'est pas leur affaire. Ils n'en ont rien à fiche. Sauf ceux qui veulent entrer en politique. Alors, ceux qui veulent être élus députés ou maires de leur commune, alors là, allons-y. Parce qu'ils ont une machine derrière pour les soutenir avec des fonds, etc. etc. Mais l'homosexuel de base, il s'en fout, ça ne l'intéresse pas. Il veut qu'on lui foute la paix. En fait, c'est toujours la différence entre notre vie intime, nos convictions, nos idées, notre façon de vivre, et la politisation ou l'idéologisation, je ne sais pas si on dit, idéologique est construite autour de nos caractéristiques. Un homosexuel, moi j'ai beaucoup d'amis homosexuels, ils ne se reconnaissent pas du tout dans le mouvement LGBT, parce que ça leur est volé, parce qu'on leur impose des choses, parce que ça devient de la propagande, ça devient des messages étatiques, alors que c'est leur vie intime qui est concernée, et ils n'ont pas envie d'étaler ça sur la place publique, ou qu'on leur dise comment se comporter, quoi faire, et de faire l'objet d'une...
d'une sorte de stigmatisation, parce qu'en fait, ce qu'ils font avec ça, c'est stigmatiser. Exactement. Moi, j'avais un ami ici dans le coin qui me disait qu'il n'a pas du tout envie que tout le monde sache. Bon, moi, je le savais parce que je savais avec qui il vivait et puis que c'était les voisins. Il n'avait pas du tout envie que tout le monde sache comment il vivait. Il dit, ça ne regarde personne, mais un jour, ça va se retourner contre nous. C'est une évidence. Moi, ça me semble une évidence qu'un jour, ça va se retourner contre eux. Simplement parce qu'ils n'ont pas le nombre, déjà. Et puis parce que, voilà, on peut pas faire de la promotion. On peut pas faire de la promotion sur autant de mensonges. Moi, je me suis quand même intéressée à l'aspect historique de la chose. Hein. Je ne me suis pas intéressée qu'aux enlèvements d'enfants. Je me suis intéressée également au procès en sodomie, hein, au procès prétendument de poursuite des homosexuels sous l'Ancien Régime. C'est de la masse de rigolade. Hein. Personne n'a jamais été condamné pour homosexualité pure. Ça, c'est absolument faux. C'est pour atteinte à la pudeur, pour viol sur enfant, pour meurtre, etc. etc. qu'on ait voulu cacher au public la teneur de tous les crimes dont il s'était rendu coupable, voilà une évidence. Qu'on ait mis sur le jugement de condamnation pour meurtre contre nature, comme ça suffisait. Mais dans la réalité, il y a notamment un type qui s'appelait Benjamin Deschauffour, qui fait partie des idoles de tout ce mouvement LGBT, Benjamin Deschauffour, notre prédécesseur, etc., etc. Il a violé, enlevé des enfants, violé, martyrisé, cassé la tête, il en a même castré un. Enfin, c'était une épouvante, ce type. C'était un type absolument abominable, abominable. Il était proxénète d'enfants, comme ce que tu disais. Il avait des clients jusqu'en Pologne. Il habitait Paris, il avait des clients jusqu'en Pologne. Bon, le jour où une plainte de parents de trop a réussi à aboutir, parce que les parents hurlaient, les parents déposaient des plaintes qui tombaient, bon, tout ça, dans les oubliettes. Un jour, il y a eu une plainte de trop, le type a été arrêté, Voltaire a pris sa défense, bien évidemment. Ah ben oui, les gens qui défendent Voltaire défendent le fait que Voltaire a défendu un malheureux homosexuel, tiens, je t'en fous, un pédocriminel de grande volée, vraiment un type absolument abominable, et il est mort sur le bûcher, il n'a pas été brûlé vif, il a été brûlé mort, hein, comme on faisait à l'époque, contrairement à ce qu'on dit. Encore que pour lui, je suis obligé de spécifier qu'au moment où on allumait le truc, il paraît qu'il a sursauté, donc il n'était pas encore tout à fait mort, mais il était question qu'il le soit. Et il n'y a pas d'exemple dans l'Ancien Régime d'homosexuels qui aient été brûlés vifs simplement parce qu'il était homosexuel. Il n'y en a pas. C'est toujours pour des crimes très précis, répertoriés, sur lesquels il y a des plaintes. Donc, expliquer à une communauté que depuis toujours, elle a été pourchassée. Moi, je sais quand il y a eu deux homosexuels qui ont été exécutés à Paris en 1750, au moment de la Marche Rouge. C'est pas difficile, la Marche Rouge, c'est mai 50, et les deux homosexuels ont été exécutés en août. Juillet-août, à quelques jours près, à cheval sur juillet-août 1750 de la même année. Alors on dit, il y a une plaque, la mairie de Paris s'est payée une plaque en l'honneur de ces types-là. Alors vous avez là deux types qui se sodomisent sur la chaussée, hein, on les arrête, on les condamne, et il faut leur faire une plaque en leur honneur, mais en l'honneur de quoi? On peut savoir? En l'honneur de quoi? Parce que uniquement parce qu'ils étaient homosexuels, non, c'est pas ce qu'ils sont qui était intéressant, c'est ce qu'ils faisaient. Parce que ce qu'ils sont, on n'avait pas à le savoir si c'était pas fait sur la rue, vous voyez ce que je veux dire? Alors, il y a toujours eu autant d'homosexuels dans Paris hier qu'aujourd'hui et qu'il y en aura demain. Mais ceux qui se font ramasser sur la voie publique, c'est parce qu'ils font des outrages à la pudeur sur la voie publique. Sinon, on ne les attraperait pas. C'est clair et net. Ouais, d'ailleurs, si ça avait été un homme et une femme qui faisaient la même chose au même endroit, c'était le même tarif. Ouais. Donc, ce n'est pas une question d'homosexualité. Donc, pour revenir au lobby homosexuel, on bassine les homosexuels avec une prétendue, un prétendu martyrologe qui se déroule sur les siècles des siècles. C'est de la carabistouille. Il y a toujours eu des homosexuels, on ne les a pas pourchassés. Maintenant, ceux qui faisaient des attentats à la pudeur, ceux qui s'en prenaient aux enfants, ceux qui faisaient des troubles à l'ordre public, ben, ils étaient pourchassés, mais les autres aussi. Les autres aussi. Bah alors. Donc, faut arrêter avec ça. C'est intéressant de faire de l'histoire là-dessus. Faut rectifier. Merci, rectifier. Marion, pour ces infos. Merci beaucoup, Marion, pour ces infos qui vont complètement à contre-courant par rapport à la propagande habituelle. Donc, maintenant, Tu veux que je publie une image, Chloé? Oui, alors, c'est juste pour vous montrer les liens encore éternels entre ces malfrats et la Fondation Rockefeller, qui a financé l'OMS, qui a financé l'ONU, qui a financé ID 2020, etc., etc. Donc là, entre autres, l'Institut Kinsey a été financé par la Fondation Rockefeller, qui a aussi financé le rapport Flexner, je vous rappelle, qui avait permis d'éradiquer la médecine naturelle dans les années 1910 pour laisser la place complète à la médecine chimique, allopathique, des labos pharmaceutiques. Voilà. C'était juste un complément. Ce qui est drôle, c'est les liens qu'on arrive à faire.
les liens. Tu te rends compte là? Tout est lié, tout est lié. Un petit lien avec la médecine. On a bien fait de faire venir un médecin comme Benoît. D'accord? Et pourquoi? Parce qu'il y a une complémentarité avec ça, notamment sur les abus de vaccination et ainsi de suite qui toucheront tout le monde, y compris les enfants. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'était important d'avoir des liens avec plein de sujets pour montrer cette complémentarité. D'accord? Maintenant, vous avez remarqué une chose qui était importante, c'est tous les collectifs qui sont en train de s'unir. Les collectifs. Et moi, pour moi, c'est ce qu'est, dans les trois jours qu'on a fait, c'est sûrement ce qui va avoir le plus d'importance. Alors, je vais vous donner les conséquences des trois jours parce que vous n'êtes peut-être pas encore au courant. Mais je vais vous donner une information. J'ai fait venir une amie à moi, une juriste que vous vous souvenez, qui s'appelle Malika. D'accord? Oui. D'accord. Après, j'ai des collectifs qui ont regardé les vidéos des mamans qui se plaignent de l'enlèvement abusif. Eh bien, depuis qu'on a quitté les trois jours, j'ai été contacté par trois réseaux. Trois réseaux qui représentent plus de 300 avocats qui vont se battre pour les enfants, mais qui sont contre le mécanisme de la pédophilie et qui sont surtout contre l'abus du mécanisme d'un organisme, d'un collectif que vous connaissez tous, même s'il y en a une petite partie qui est à peu près honnête, mais la grande partie, elle est perverse, c'est la franc-maçonnerie. D'accord? Ces avocats-là, ils travaillent en collaboration maintenant avec Vanessa, avec Malika et avec un ami à moi qui est, un juriste très important qui, lui, je vous le présenterai, mais je ne vais pas donner son nom là à l'écran parce qu'il fait un travail juridique de fond qui s'appuie sur ce qu'on appelle la sémantique originale des mots. Okay. Et il va prendre à contre-pied des jugements qui sont rendus à l'encontre des enfants. Il va prendre à contre-pied les rapports de l'ASE et des juges pour enfants par rapport aux mots qu'ils utilisent dans leur jugement. Je ne sais pas si vous voyez, d'accord? Oui, mais je vois bien. Oui, je crois que je perçois ce que ça peut vouloir dire. Voilà. Oui, oui, oui. Et tu sais sur quoi il s'appuie? Il s'appuie sur le dictionnaire académique. Qui est le seul dictionnaire officiel de valeurs de mots qui est en ligne, qui est le dictionnaire officiel de l'Académie. Et mais moi, sais-tu que si on s'en était référé, Christophe, si on s'en était référé à ça, jamais on n'aurait fait une aberration comme le mariage pour tous. Parce que le mariage étant, d'après le dictionnaire, l'union d'un homme et d'une femme, on ne pouvait pas le changer. C'est exactement ça. Et donc, eux, ils travaillent dans la partie juridique, justement, sur le sens des mots. Pour mettre par terre plein de jugements. Et vous vous souvenez qu'il y a eu un discours avec mon ami Blanche-Neige, Emmanuel. Hein, Emmanuel. D'accord. Ouais. Emmanuel, il a évoqué justement comment on pouvait mettre par terre. La déclaration d'exception, de nullité. De nullité. Je crois que c'est extrêmement. Je crois que c'est très, très, très délicat de parler de ça. Je suis pas sûr qu'on ait tous compris ce que ça voulait dire, ce que ça impliquait. Alors, justement. Je me demande si. Je me mets en retrait par rapport à ça, qui m'avait beaucoup enthousiasmé. Mais tu as raison parce que ça appartient à un monde purement juridique. D'accord? Oui, oui, oui. Eh bien, en ce moment, il y a un collectif d'avocats, de juristes, qui sont en train de décortiquer la puissance de ce que Emmanuel il a dit. Et en fin de compte, les premiers rapports qu'on a, d'accord, des avocats sont en train d'utiliser la mécanique qu'il a exposée. Je ne sais pas si vous voyez. Et ils vont tester. Non, mais si ça peut marcher, c'est extraordinaire. Ce qui est important, c'est justement le collectif de juristes qui va naître, qui est en train de naître derrière. Autant il y a le collectif de la défense des enfants, et Dieu sait s'il y en a, les OSS, tous ces SOS, touchez pas à mon enfant, rendez-nous nos enfants, il y en a plein, et ils sont tous en train de s'allier, d'accord? Donc si on allie l'historique, les mensonges par des documents tels que l'OMS, si on allie les collectifs de défense des enfants, des mamans, des papas, d'accord? Plus un monde juridique, j'ai décidé une chose très simple, il fallait absolument que j'arrive à financer une carte de France en géolocalisation. Il faut que j'arrive à,
à créer ça sur un site où les gens pourront s'inscrire dans le domaine juridique, dans le domaine médical, dans le domaine des victimes, dans le domaine de la communication, d'accord, et dans le domaine du rapprochement des gens. Pourquoi? Parce que il y a plein de moments où papa qui ont besoin d'un soutien moral, en fait. Il faut savoir que c'est quand même vachement destructeur. Moi, j'ai des fois des appels téléphoniques. Les mamans, vous le savez, vous en avez vu pleurer, hein, quand même, certaines habitudes. Bon, nous aussi, on a pleuré. Attends, nous aussi, on a pleuré. Enfin, moi, j'ai pleuré. Chloé, voilà. T'as pleuré aussi. Voilà, donc, il y a de l'émotion qui ressurgit, d'accord. Alors, est-ce que c'est le fait de se rassembler, de répéter ou de ramener devant tout le monde les souffrances qu'on a? Ça fait bien sûr, ça fait de l'émotion, ça peut des fois réveiller des pleurs, mais c'est peut-être aussi une manière de guérir ou d'approcher la guérison, en fait. Parce que la grande puissance de nos trois jours, c'est qu'il y a beaucoup de mamans maintenant qui ne se sentent plus du tout seules. Oui. D'accord? Elles ont des téléphones, elles se partagent, c'est ça qui est incroyable. Hein. Donc, alors, il y a un danger quand même qu'il faut dire et qu'il faut signaler. Hein. Oui. Il y a un danger qu'il faut signaler, mais je pense que je vais enfoncer un peu une porte ouverte, mais enfonçant la gaiement, c'est le danger d'infiltration. Hein. L'ennemi, plus on s'expose comme ça, et plus il se met au milieu de nous pour nous embrouiller. Hein. Depuis que je me suis lancé dans ce combat, je ne vous raconte pas ce que j'ai pris comme des trahisons, qui était simplement la révélation de gens qui étaient là pour faire capter. Non, mais ça Marion, je suis d'accord avec toi. C'est un peu comme partout, des trolls, ils arrivent, oui, ils essayent de... Voilà, les trolls, ouais. Mais Chloé, elle connaît ça aussi. Hein, Très très bien ça, oui. À tous les groupes dans lesquels j'ai été, j'ai eu droit au tour. Ben ah, nous, ouais. Marion, Chloé, on a failli le vivre avec un personnage, Abby, qui nous a emmerdé pendant 3 jours. D'accord. Donc il est rentré, on l'a foutu dehors, mais c'est exactement ce que tu es en train de dire. Un perturbateur qui vient pour foutre par terre une cohésion, un collectif, un esprit de solidarité. D'accord. Et ça, malgré tout, on n'a pas pu le faire rentrer. J'ai été obligé, vous savez, de déposer plainte en gendarmerie le lundi matin. La gendarmerie a accepté, ce n'est pas une main courante, ils ont accepté la plainte. D'accord. Et alors, ce qui était incroyable, c'est que, en plus, la gendarmerie m'a rappelé l'après-midi, alors que j'étais sur la route en train de rentrer, en me demandant, en plus de la plainte, de me constituer partie civile pour ouvrir une procédure au pénal. Pourquoi? Parce que la plainte, elle va rester sur une forme de responsabilité civile dans le domaine du civil et non pas dans le pénal. Et ils m'ont demandé d'aller sur le site internet des plaintes pénales pour compléter la plainte que j'ai faite. Voilà, donc, pourquoi? Parce que le gendarme que j'ai eu, il est d'accord qu'il y a quand même des abus sur les enlèvements des enfants. D'accord? Et il me l'a fait parfaitement. De plus en plus, quand même. Hein? Ça voilà. Se voit de plus en plus. Ah ben oui, mais donc moi je trouve que ces 3 jours qu'on a fait, ils étaient révélateurs. Ils étaient révélateurs d'une forme de peut-être de synchronicité des événements, d'accord, et d'un collectif qui a envie de démontrer tout ça. Et le travail qu'on a fait, je pense, pendant 3 jours, des relations qu'on a eues, la complémentarité de tous ces gens-là, je pense que c'est porteur d'un meilleur avenir en tout cas, d'accord. Croisons les doigts. D'accord. Donc là, on a parlé notamment avec Vanessa, parce que la problématique, c'est quand on dénonce tout ça, c'est justement d'avoir un bon cadre juridique derrière, avec des gens qui sont compétents. Non, mais tout seul, on se fait laminer. Et ça. Et alors, ce que j'ai trouvé d'extraordinaire, je vais vous mettre une sorte de cerise sur le gâteau. D'accord, c'est que j'ai, dans mon entourage, suite à ces événements-là, suite à des gens qui suivent la parole des enfants, et la parole, c'est la première fois que j'ai un papa et une maman qui vont demander à leurs 2 enfants de faire une vidéo pour raconter la misère qu'ils ont d'avoir été enlevés de leurs enfants, de leurs parents. Ouais, très bien. Voilà. Le gamin, il y en a un qui a 7 ans, l'autre qui a 5 ans. Et les parents m'ont demandé de faire une émission, comme si j'étais le papa qui les interrogeait. C'est la première fois. J'ai jamais fait ça encore. Même si je sais ce que c'est que des enfants, parce que je suis papa. D'accord? Donc, je peux raconter, je sais les questions qu'il faut poser. Mais pour que des parents en arrivent là pour envoyer des messages, quand
je pense que ça va être quelque chose qui va être révélateur. Voilà. Et ce que j'aime, c'est que tout le travail qu'on a fait pendant trois jours, tout ce qu'on a publié comme vidéo, sur toi, Marion, sur toi, Chloé, on n'a que des compliments d'avoir révélé des mécanismes qui prouvent que toutes les choses entre elles sont liées. D'accord. Ouais. J'espère qu'il en est autant pour Vanessa, parce que son allocution était remarquable. Mais bien sûr, sauf que Vanessa, maintenant, elle a un collectif de juristes qui l'ont appelée. Et écoute bien, le paradoxe, enfin le paradoxe, c'est même pas un paradoxe, c'est, on va dire, le miracle, j'appellerais presque ça un miracle, d'accord? Comme un avocat, il travaille avec un horaire tarifaire qui est relativement cher, d'accord? Ils se sont mis d'accord avec des juristes pour que des juristes étudient tous les documents officiels des procédures pour enfants. Les juristes préparent les conclusions pour les avocats qui n'aient plus qu'à avoir la synthèse pour pouvoir attaquer les procédures. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du travail. Non, mais ce que tu as provoqué, Christophe, c'est quand même... L'union fait la force. Oui, c'est magnifique. L'union fait la force. C'est ensemble qu'on y arrivera, c'est clair. Donc, je donne un prénom d'un monsieur qui s'appelle David, d'accord, qui travaille avec moi, qui lui a, on va dire, c'est le fameux monsieur qui lui utilise tous les mots, le sens des mots avec le dictionnaire académique, d'accord? Mais tu verrais l'association de juristes et d'avocats qu'on a derrière, que ce soit le collectif de Marion, de Vanessa, le collectif de Malika et mon collectif avec qui je travaille. Je suis sûr que ces trois collectifs, il y a au moins 50% qui sont dans les trois collectifs. J'en ai la certitude. Pourquoi? Parce que je retrouve des mécanismes, d'accord? Et ils comptent partout. Et moi, quand je te donne un exemple très simple, il y a une maman qui m'a appelé, je suis rentré lundi, mardi, j'ai une maman qui m'appelle, elle avait besoin d'un avis juridique. En 48 heures, elle avait la réponse. En 48 heures, d'accord? Et non seulement ça, mais elle avait trouvé l'avocat ou le juriste qui allait prendre son dossier en charge. Voilà. Voilà. Et c'est ce collectif-là qui m'intéresse d'avoir, on va dire, co-organisé, créé par simplement parce que la présence, vous êtes tous venus, tout le monde est venu en fait. Voilà. Eh bien, quand on le dit, quand on fait l'alliance, quand on fait l'alliance de tous nos savoirs, on s'aperçoit que nos savoirs, ils ont une complémentarité absolue et c'est ça le miracle en fait. C'est ça qui va déclencher encore plein de rendez-vous. Alors, je vous le dis, pendant que vous êtes là, ce que je ferai, je vous réinviterai peut-être au bout de 6 mois pour faire une sorte de synthèse, de voir toute l'évolution qu'on a fait en 6 mois, chacun de notre côté avec le travail. Donc, je pense que je referai une petite réunion au mois d'octobre, je vous le dirai, hein, fin septembre ou début octobre. Et bien évidemment, je vous réinviterai pour qu'on fasse la synthèse de tout ce qui s'est passé entre-temps. Vous êtes d'accord, les dames, là? Oui, ouais. Hein? Bien d'accord. Sûr que je suis d'accord. Voilà. Et on fera venir Vanessa, on fera venir le collectif. Mais ce que je peux vous dire, et là j'ai la certitude, hein, les trois jours n'ont qu'une satisfaction de tout le monde. Mais franchement, ils se sont aperçus que ce qu'on a fait, l'enchaînement des choses, c'est porteur d'un meilleur avenir. Ça, pour moi, c'est une certitude. D'accord ? Et donc là, ben, on est en train de lancer une émission qui est importante, le sujet de l'enfant. On a introduit la partie sexualité, la partie des abus, mais bien entendu qu'on va retrouver des gens qui étaient dans nos trois jours qui viendront faire le complément de nos émissions. En fait. Pourquoi? Parce que ben, c'est révélateur. Et la parole des gens qui amènent un maillon avec un autre maillon, eh ben, ça va créer la chaîne, en fait. C'est exactement. Ça. Et je vous rappelle que ce qui est drôle, c'est qu'une chaîne, ben, c'est aussi ce qui diffuse des images. Voilà, je sais pas si vous dis-moi, Christophe, je vais bientôt être obligé de partir. Est-ce que tu veux qu'on aborde encore autre chose parce que j'ai un invité? Non, là je pense qu'on peut faire déjà une synthèse parce qu'on va arriver à l'heure de l'émission. Donc ce que je vais vous demander maintenant avant de lancer le générique de fin, c'est de faire un petit mot de la fin à chacun de votre tour. Et puis on va boucler en fait, hein. Alors, tu as parlé de chaînes, il y a les chaînes qui nous enchaînent et il y a les chaînes qui libèrent. Et cette chaîne-là,
qui est d'une puissance inédite. C'est la première fois de ma vie que je participe à un événement qui regroupe autant d'associations, d'individus, de courants différents sur la question de l'enfance. Ben, cette chaîne va nous libérer et permettra justement, permet déjà à la parole de se libérer en tout premier lieu, parce que jusque-là, c'était le tabou ultime, cette pédocriminalité. Et la participation des associations de protection de l'enfance, prétendument de protection de l'enfance, et aujourd'hui, ce tabou est tombé, et aujourd'hui, tout ça se sait. Donc, je suis très optimiste pour la suite, et vraiment, merci Christophe, encore une fois, pour avoir organisé ce week-end extraordinaire. Moi, je vous remercie d'être venu. Vas-y, Marion. Je vais aller dans le même sens également que Chloé. La différence entre aujourd'hui et hier dans le sens historique du terme, ça n'est pas qu'il y a plus de pédocriminels aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, ils sont en pleine lumière. Et c'est ça l'évolution. À l'époque de la Marche Rouge, et j'en ai parlé hein, de toutes mes découvertes à l'hôpital général, j'ai dit, mais enfin, ces archives, elles sont disponibles. Il n'y a pas que moi qui sache lire. Ce que j'ai vu, d'autres gens peuvent le voir. Or, c'est maintenant que ça se passe, c'est-à-dire que c'est maintenant la révélation, c'est maintenant le combat pour les enfants. Je me suis souvent demandé, mais pourquoi c'est tombé sur moi, moi qui n'ai pas d'enfant, pourquoi est-ce que c'est tombé sur moi cette défense des enfants? Mais parce que c'était mûr, parce que c'était moi, et puis parce que c'était comme ça, et puis parce que c'est voilà, ça nous tombe dessus, parce que c'est comme ça que ça doit être, et c'est le train qu'il faut absolument prendre. C'est un train qui fonce vers la vérité, vers l'éclatement d'une vérité qui n'a jamais, jamais dans l'histoire été révélée comme elle l'est maintenant. Et c'est pour ça qu'on va gagner. Parce que ces gens ne peuvent avancer que dans la mesure où ils se cachent. Ils ont décidé, parce qu'ils sont absolument paranoïaques et que rien ne les arrête, ils ont décidé à un moment donné de sortir de l'ombre. C'est en train de les perdre et ça les perdra et c'est nous qui allons gagner. Alors, c'est exactement ça. Donc, je vais répéter simplement une chose qui est importante. C'est un document que tu veux que je montre C'est l'image de fin que j'avais mise sur mon PowerPoint. Attends, je la fais apparaître avant de donner le mot de la fin. Seconde. Voilà, allumons les plafonds. Voilà, d'accord. C'est magnifique, Chloé. C'était très, très bien, ça. Ouais. Donc, en fait, c'est ce qu'on a dit, et je vais le répéter, ce que j'avais dit à Bini, en fait, hein, pour les 21-360, les alerteurs, le fait que nos téléphones soient devenus des vraies télévisions et le fait qu'on a une démultiplication des réseaux pour diffuser des images, c'est ce qui va mettre par terre tout le système qui nous emmerde. En fait c'est ça. Exactement. Le côté pervers, il est en train d'apparaître, et de plus en plus, il y a même des fois des choses maintenant qui apparaissent dans les gros médias. D'accord ? Qui sont même plus du réseau. C'est clair. Ce qui prouve que les images qui sont publiées sur la multiplication des réseaux, c'est ce qui va leur amener l'obligation de parler de certaines choses. En tout cas, mesdames, je vous remercie de ce rendez-vous. Je vous dis à très bientôt. Et bien entendu, je vous fais des bisous et on reste en contact. J'envoie le générique de fin. Joyeuse Pâques. C'est exactement ça. À bientôt, les dames. À bientôt. Bisous à toutes les deux. À bientôt.